C'est que même dans l'échec, faut être résilient. Tu vois, l'échec pour moi, il a pris une signification différente à partir du moment où j'ai jamais décidé d'abandonner. Tu vois, je pense que la seule vraie définition de l'échec, c'est quand tu abandonnes, quand tu ne te donnes pas l'occasion de réussir autrement. Et moi, chaque fois que je me suis planté, je me suis dit, c'était pas la bonne manière de réussir. Et donc, j'ai changé la manière. Et je n'ai pas décidé d'arrêter. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, hein, à chaque fois je suis obligé de le répéter parce que voilà, les gars, c'est comme ça. Si je te le dis pas, tu le fais pas. Donc voilà, je suis obligé de te le dire. Donc abonne-toi, clique sur la cloche. Hein, l'objectif, les gars, c'est d'atteindre les 100K. Ça va pas se faire tout seul. Je peux pas le faire. C'est un deal, les gars. Je vous apporte de la valeur, d'accord? Vous inspirez de ça avec les vidéos, interviews, et toi, tu t'abonnes. Ok, donc c'est Jonathan Hachi, si jamais c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne que tu ne connais pas. Donc aujourd'hui, je suis en direct avec Anthony. Comment ça va, Anthony? Super bien, merci Jonathan, hello à tous. Et puis bah quelle énergie, putain, quand tu démarres une vidéo, toi t'envoies. Ah oui, non, mais c'est obligatoire, c'est comme ça. Je ne fais même pas exprès. Pour te dire, cette intro, je la fais depuis mon premier business sur le saxophone. Donc, ouais, ça fait un moment, donc c'est juste nature, quoi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais brièvement, et puis après, on va voir un petit peu comment tout ça, ça a commencé. Yes, donc Anthony Léger, je suis celui qui aide ceux qui aident les autres. Non, c'est comme ça que j'aime bien le dire, mais en tout cas, voilà, j'accompagne des professionnels de l'accompagnement, principalement des coachs et des thérapeutes. Il y a aussi quelques formateurs et consultants, mais des gens en tout cas qui mettent l'humain au centre et surtout qui ont la volonté de développer leur activité pour qu'elle leur offre plus de liberté, plus de sérénité au quotidien. Donc, c'est mettre leur activité sur le palier supérieur. Et donc, je les aide du coup à répondre à des problématiques de développement commercial pour qu'ils soient plus obligés de se vendre en cabinet et sur une base de tarification horaire, quoi. Donc voilà, effectivement, c'est en professionnalisant leur marketing et leur communication qu'on obtient les résultats qu'on a avec nos clients. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu as grandi et puis remonter un petit peu jusqu'à aujourd'hui, quoi, comment ça s'est passé? Ouais, attention, il y a 43 années à remonter en arrière, ça va. On a le temps, t'inquiète pas, on a le temps. Notre record, c'est 2 heures. 2 heures d'interview, donc on a le temps. Wow, ok. Non, alors moi, je suis natif de la Champagne-Ardenne. Je suis né à Châlons-en-Champagne. Je sais pas si tu situes, c'est en dessous de Reims, à l'est de Paris. Donc, j'y ai fait. Ben, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans et voilà, donc une famille très aimante. J'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir une vie tranquille, tu vois, dans une petite ville de province où j'ai pu kiffer. Je me sentais déjà libre. Et puis après, j'ai pas mal bougé quand même avec mes parents d'abord. Donc on a parcouru un peu les quatre coins de la France. Et c'est un schéma que j'ai reproduit, tu vois, en étant adulte et dans mes choix de carrière. C'est que j'ai moi-même été plusieurs fois muté quand j'étais salarié. Et puis aujourd'hui, j'ai toujours la bougeotte, quoi, l'envie de découvrir, tu vois, de partir à la conquête du monde, découvrir de nouveaux coins. Je suis un aficionado de la, un petit peu d'espagnol pour t'aider à réviser, de la nature, de la faune. Tu vois, moi, j'adore partir à la rencontre des gens, de leur culture et puis de la faune qu'on peut avoir dans différents pays. Donc, bouger, c'est chaque fois pour moi, c'est à la fois l'occasion de découvrir ce que le monde nous livre et puis ce que les gens peuvent nous apporter de différent, tu vois, chacun les uns les autres. Ok, et donc du coup, les études, au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, au niveau des études, j'ai fait le choix d'un bac ES. Donc, un bac éco. À la base, j'étais parti pour un bac technique, tu vois. J'avais fait le choix, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Je sais même plus, tu vois. Mais je me suis vite rendu compte en seconde que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et j'étais plutôt un littéraire dans l'âme, tu vois. J'aimais les langues, j'aimais le français, j'aimais les sciences, enfin, mais pas appliquées à la technologie, quoi.
Et puis du coup, je me suis orienté vers l'éco, économique et sociale. Je crois que ça commençait à résonner business en moi, tu vois. Et puis, je suis resté dans cette voie, bac. Ensuite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, la vente. Et en fait, j'ai fait toutes mes études post-bac en alternance. Moi, je voulais avoir déjà un pied dans l'univers pro, et puis commencer à gagner de l'argent et avoir de l'autonomie, tu vois, et puis sentir que ce que j'apprenais à l'école, je pouvais le mettre en application concrète, quoi. Donc le DUT, je l'ai fait en alternance chez 7LM à l'époque, tu vois. Et là, c'est l'étiquette de la finance qui a commencé à me coller, même si c'était à travers le crédit, mais en tout cas, c'était le pied dans l'environnement bancaire. Après, j'ai fait une licence de management commercial, toujours en alternance. Et là, cette fois, c'était le groupe La Poste. Là, j'étais pas responsable commercial, c'était délégué commercial, l'intitulé du poste. Et puis après, j'ai évolué. J'ai arrêté mes études à la licence. J'ai continué dans des fonctions commerciales, mais plus en montant, si tu veux, en compétences et dans l'univers de la finance. Donc, je travaillais pour une start-up qui développait des solutions d'optimisation de la dette bancaire, donc une toute petite boîte. J'étais l'un des premiers chargés d'affaires. Et puis, la boîte, elle a triplé au moment où je suis parti. Je suis parti après pour être responsable d'agence banque-assurance. Après ça, j'ai été responsable commercial, puis formateur terrain, responsable formation, et c'est là que j'ai arrêté ma carrière de salarié. Tu vois, j'ai fait tout ce parcours dans l'environnement banque-assurance, une douzaine d'années, et puis après 15 années de salariat, j'ai décidé de me lancer. Ok, pourquoi? Eh bien, la première vraie raison, c'est qu'on avait lancé l'entreprise de ma femme depuis 4 ans et que ça cartonnait. Non seulement elle kiffe ce qu'elle fait, et puis ça a rapidement fonctionné. Donc je l'enviais, tu vois, je regardais, je me disais, mais elle a la chance, elle fait ce qu'elle aime, elle en vit, elle prend toutes les décisions pour elle, enfin, elle occupe toutes les fonctions et je trouvais ça super intéressant. Et donc à ce moment-là, j'ai cru que ce serait facile et que je pourrais en faire autant. Donc ça a commencé à. Tu vois, c'était une graine qui a commencé à germer dans mon esprit. Et puis, par-dessus ça, il y a eu quelques changements de gouvernance dans l'entreprise que j'aimais et dans laquelle j'étais salarié. Et là, ça ne l'a plus fait, quoi. Si tu veux, là, je sentais que c'était les limites de ce que j'étais capable de supporter et que pour être totalement en accord avec mes valeurs, avec qui je suis, il fallait que je bouge. Et j'avais pas l'envie à ce moment-là de repartir sur un poste salarié. Et puis surtout aussi, il y a eu un épisode de mon histoire qui a été très marquant. Et je pense que ça a été la première scission entre le monde salarié et moi. C'est que ma femme est tombée malade, ça devait être en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Et donc, elle est partie, je l'ai mise dans l'ambulance un dimanche matin sous les yeux de mes deux jeunes enfants. J'étais effrayé à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait. Ma femme est partie et elle a été hospitalisée pendant plus de 3 semaines, tu vois. Et pendant ce laps de temps, il a fallu que je télétravaille. Donc, ce n'était pas du tout dans les mœurs à l'époque. Et puis, moi, j'avais une équipe à piloter. J'étais vraiment, si tu veux, dans le management opérationnel. Donc, c'était compliqué de demander cette faveur à mon patron de l'époque. Mais il me l'a accordé sans, voilà, sans problématique. Et puis j'ai pu vivre une autre relation avec mes enfants à ce moment-là. Les emmener à l'école pour la première fois, tu vois, m'occuper d'eux le soir, le bain, la popote. Et franchement, ça a créé un lien tellement fort que je me suis dit, mais en fait, mon essentiel, il est là, quoi. C'est ça le lien que j'ai envie d'avoir avec eux, c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir. Et je n'ai pas envie de faire mes 3h30 de transport aller-retour quand même, mais 3h30 par jour. Juste pour pouvoir rentrer, leur faire un bisou au moment du coucher et puis rater les moments essentiels, quoi. Tu vois, ou quand il y a un enfant malade, de ne pas pouvoir être là, quand il y a une sortie scolaire à faire, pas pouvoir profiter de ça. Et là, je me suis dit, ah, je passe à côté d'un truc fort, quoi. Et donc, quand ça a commencé justement
à gronder un petit peu dans l'entreprise. Je me suis souvenu de ça. Je me suis souvenu de ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et je me suis dit, je crois que c'est le moment de prendre la décision qui s'impose et me reconnecter à ce qui vibre le plus fort en moi. Et donc, pour moi, à ce moment-là, le choix, il était évident que si je voulais être un peu plus maître de mon temps et profiter de tout ce que la vie peut m'apporter, eh bien, ça passait par entreprendre, quoi, être mon propre patron. Ok, Et donc, j'ai donc. fait ce choix à ce moment-là. Mais c'était un mauvais choix. Le premier était, c'était juste le pire que je pouvais faire. Ah bah dis-moi, alors c'était quoi ton premier choix du coup? Parce que moi je me dis, tu veux te lancer, ok, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Parce qu'entreprendre, enfin. Mais à ce moment-là, quand tu as le trouillomètre à zéro parce que tu te dis, il faut que je me lance, il faut que je lâche un poste à responsabilité et qui me rapporte pas mal d'argent, tu vois, c'est confortable, je suis dans une boîte que j'adore, les gens m'adorent, j'ai vraiment là une belle image dans l'entreprise, je suis correctement payé, je manque de rien, si ce n'est de temps pour ma famille, mais voilà, j'avais tout le reste. Et à ce moment-là, avec cette peur, je choisis de répondre à un appel du pied qui m'a été fait sur LinkedIn, où une franchise est venue me chercher en me disant, on cherche des profils comme vous pour être entrepreneur, dirigeant. Je me suis dit, voilà, ok, ça m'offre un cadre, tu vois, ça m'offre tout ce qui va avec le cadre, quoi, finalement, la notoriété, la communication, les méthodes. Mais en fait, je n'ai pas vu que c'était me remettre pratiquement dans le cadre du salariat. Et ce modèle, s'il convient bien à d'autres, pour moi, ça n'allait pas du tout, parce que en fait, je ne pouvais pas exprimer ma créativité. J'étais soumis aux règles d'une entreprise comme si j'étais salarié. Et puis en plus, c'était pour une clientèle avec laquelle j'arrivais pas à fonctionner. Enfin, le cadre, il était, enfin, la cible plutôt était livrée avec le cadre. Et cette cible-là, ça matchait pas. Donc du coup, tu vois, rapidement, quand j'ai commencé à réaliser que ça ne me convenait pas, il s'est passé moins de 6 mois. J'avais des bons résultats, mais clairement, ça ne vibrait pas en moi. Je me levais le matin, je n'avais pas envie de faire ça, quoi. Je n'avais même pas envie d'aller voir mes clients. C'est terrible de dire ça, tu vois. Mais là, c'est que tu te dis, t'es pas à la bonne place, mon gars. Il faut que tu te rendes à l'évidence, t'es pas bon. T'es pas bon. Peut-être que tu es bon commercialement parce que tu développes. Mais si le résultat il est juste sur le papier et qu'il n'est pas dans ton cœur, bouge, sois intègre encore une fois avec tes valeurs et puis choisis autre chose. Mais là, ce qui est le plus difficile, c'est quand tu as investi beaucoup d'argent pour pouvoir le faire, parce que ça m'a coûté 50 000 euros cette histoire. Donc tu vois, quand tu mets 50 000 euros pour une franchise et puis que tu te dis, ben, non, c'est pas ça, là, il faut avoir l'audace, quoi, le courage de te dire, ben non, je vais pivoter mon activité parce que je sens juste que c'est pas exactement ça. Et pourquoi tu étais attiré par la franchise? C'est peut-être parce que ouais, c'est parce que c'était il y avait un cadre, c'est ça? Tu te sentais rassuré? Parce que ouais, ça m'a rassuré. C'est il y avait alors quand même sur le papier, je veux dire, quand même une entreprise dont j'ai acheté toutes les valeurs. C'était quand même une mission qui me plaisait. C'était pour aider les autres. C'était pour aider des dirigeants d'entreprise. Des patrons de TPE, donc ça résonnait en moi dans ce que j'aime faire, si tu veux, et j'ai occulté tout le reste. J'ai occulté que c'était une typologie particulière d'entrepreneur, que c'était un métier qui était très lié aux chiffres, puisque c'était de la consultance en pilotage d'entreprise, donc il fallait aimer la compta, fallait aimer les tableaux, et en fait c'était tout ce que j'aimais pas de base. Mais tu sais, je pense que j'avais envie de voir et d'acheter ce qui me fallait sur le moment, ce qui me rassurait. Et donc, j'ai pas assez poussé la réflexion à mon sens, quoi. Et du coup, ouais, moi j'avais une question par rapport aux franchises. Bon, j'en avais déjà discuté avec un master franchisé, mais c'est pour faire le partage en même temps pour ceux qui regardent. C'est combien le pourcentage en net tu as après, en général, sur le chiffre d'affaires d'une franchise? Alors là, c'était quand même assez. Je ne saurais pas trop situer les chiffres exacts parce que c'était une redevance. Tu donnais une redevance et en fait, elle était dégressive par rapport au nombre de clients que tu avais. Donc à un moment donné, ça faisait partie des chiffres tout à fait acceptables. Mais je pense que ouais, si tu devais en garder, à mon avis, 80%.
Ah, Ok. 80%. Ah, parce que c'est du service. Sauf que, voilà, c'était du service déjà. Et puis, sauf qu'il faut remettre dans la balance le fait que tu as quand même 50 000 balles de départ, quoi. Donc, cette mise de fonds, elle compte. Et avant que tu l'aies amortie, il se passe un certain temps, quoi. Ok. Ok, donc du coup, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est un peu le sort qu'on a décidé pour moi, parce que ce qui me traverse à ce moment-là l'esprit, c'est rien du tout, quoi. J'ai pas de plan B, je suis paumé, j'ai l'impression que je vaux plus rien, parce que du coup, je perds confiance, tu vois. Je me dis, mais j'ai fait le mauvais choix, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Et donc, ce moment où je commence à me dévaloriser, c'est un prospect qui me rappelle, une en l'occurrence, et qui me dit, j'aimerais vous rencontrer parce que ma startup a besoin de vous pour mettre en place des tableaux de bord, tout ça. Et donc, elle me ramenait sur cette activité que j'avais envie de quitter. Bon, je me dis, si on m'appelle, je vais aller voir. Et puis, je vais tirer le fil un peu, voir ce qu'il y a derrière, quoi. Et puis, en fait, elle m'explique la mission de cette startup, que je trouve géniale. Et puis je vois au final que son besoin, c'est pas tellement d'être sur des tableaux de bord et sur du pilotage, mais que c'est plutôt du développement commercial. Et donc là, ça me parle davantage. On est vraiment sur un sujet de business. Et là, je sens que ça répond bien, quoi. Et puis, si tu veux, dans le rendez-vous qu'on mène ensemble, ça fit tout de suite. Et on n'a pas besoin de se parler pendant des heures pour voir qu'on a une énergie compatible. Et à tel point qu'elle me dit, bah, moi j'aimerais vous prendre dans ma boîte et que vous soyez qu'on pilote ensemble, quoi. Et donc on y va sur ce pari-là, et je prends les rênes de la startup avec elle. Je m'occupe de tout sauf, alors c'est une startup en cosmétique, et je m'occupe de tout sauf de la partie laboratoire. Donc je m'occupe du marketing, de la com, du développement commercial, de la partie stratégique. Et je trouve ça génial. Et ça me force à développer de nouvelles compétences. Je me forme en stratégie, je me forme en marketing, je me forme en communication. Et je commence à mettre le doigt dans le web marketing en plus, tu vois, parce que je me dis, attends, c'est trop bête de développer ça, mais juste en occultant la partie digitale. Et donc pour moi, c'est parti. Je fais plein de connexions dans ma tête. Et là, je vois qu'il y a tout un univers que j'ai envie de découvrir et sur lequel j'ai envie vraiment de m'investir, quoi. Et comment tu fais pour te former sur tous les piliers que tu viens de me dire? Bah, ça prend du temps. Au début, tu y vas un peu avec, excuse-moi pour l'expression vulgaire, mais un peu avec ta bite et ton couteau, quoi. Tu vois, tu apprends sur le tas, et puis tu consommes des tas de bouquins, tu t'inscris dans des petites formations sur le web, après des formations en présentiel. Et là, j'ai commencé à devenir un peu un boulimique de la formation, quoi. Je crois qu'on passe tous dans cette phase de développement personnel où, ah, on en boufferait toute la journée. Je passais du temps à regarder des vidéos, et puis après à acheter de la compétence à l'extérieur aussi, parce que le but, c'est de s'entourer, d'aller chercher des gens qui ont cette compétence avant toi et desquels tu peux t'inspirer et trouver de nouvelles ressources, de nouvelles idées, quoi. Donc ça commence comme ça, et puis après, tu en veux plus et tu commences à comprendre vraiment où est ton axe de développement. Ok. Et donc du coup, ta franchise, qu'est-ce qu'il en est alors à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai fait le shift. Si tu veux, c'est pour moi, c'est terminé. C'est une page que je tourne, et donc sur laquelle je ne reviens pas. J'ai décidé que ça, c'était terminé. C'était un business que j'arrêtais. Je me dis, ben, je focus sur la startup. Et en même temps que je grandis au sein de cette startup, j'ai cette envie, tu vois, de revenir sur mon cœur de business, qui est l'accompagnement. Parce que je me dis, la start-up, c'est bien, on fait grandir cette activité, mais ce n'est pas mon bébé. Et moi, j'ai envie d'avoir mon propre bébé, être fier de ce que j'accomplis, accompagner des gens et changer des vies, tu vois. Et je voulais impacter des dizaines et des centaines de vies. C'est toujours la vision que j'ai aujourd'hui pour mon business, si tu veux. Et donc, je commence à le redévelopper à côté. Et puis, à un moment donné, où c'est dans ton esprit, tu vois, et on le dit bien, hein, il faut être 100% focus pour avoir des résultats. Et tant que tu ne l'es pas, il y a toujours un business qui se fait au détriment de l'autre. Et je sentais que ma capacité intellectuelle et la gymnastique que ça me demandait de passer de l'un à l'autre,
Elle était trop difficile. Et quand je devais passer de la cosmétique à l'accompagnement des entrepreneurs, bah, il y avait, voilà, il fallait remettre les compteurs à zéro, il fallait réfléchir. Et ça me demandait une telle énergie que je n'y arrivais pas, quoi. Disons qu'un truc qui aurait pu me prendre quelques semaines ou quelques mois à mettre sur pied me prenait des mois au final et qu'il fallait que je fasse un choix, quoi. Et à un moment donné, ce choix, il s'impose à moi parce que la start-up grossit et que mon poste de directeur opérationnel, il commence à atteindre ses limites parce qu'il y a vraiment des pointures aujourd'hui qui convoitent ce poste-là et qui pourraient amener la start-up à un niveau plus élevé que celui auquel je l'ai amené. Et donc, je sens que c'est le moment de tirer ma révérence. Et donc, j'explique à mon associé du moment que ça ferait sens pour moi d'être 100% focus sur mon propre projet et donc de laisser cette place et toute la chance que mérite la start-up à quelqu'un qui pourrait l'amener plus loin, quoi. D'accord. Et t'avais des parts dans la start-up? Non, j'étais directeur opérationnel, mais externe, externalisé, quoi. C'était du partnership. Donc ça a toujours été un pari, si tu veux, d'être aussi de conserver mon indépendance et d'être que sur de la facturation. Mais tu sais, un business de start-up, tant qu'elle est dans sa phase de croissance et qu'elle lève des fonds, c'est pas un business qui rapporte, quoi. Ça rapporte que le jour où tu arrives à la valoriser correctement et à la revendre. Mais encore une fois, l'argent, c'était pas mon driver, tu vois. C'était vraiment faire grandir la boîte, faire grandir les gens qu'on amenait avec nous, et puis la mission qu'on amenait avec, quoi, si tu veux, le message qu'on portait. Et ça a toujours été ça. Je dis pas que l'argent est pas important, tu vois. C'est important pour réaliser des choses plus, comment on va dire, plus grandes encore dans ta vie et pour pouvoir contribuer davantage. Mais c'est jamais qu'un moyen. C'est pas la finalité. En tout cas, je l'ai jamais vu comme ça. Ok, donc du coup tu quittes la start-up et tu te consacres à 100% sur ton activité. Ouais. Se passe? Bah écoute, en tout cas, déjà, la petite fierté au passage, c'est qu'on est nommé Startup de l'année 2017 par le magazine Challenge. On fait partie des nominés au trophée des Startups RMC. Donc, on a deux prix la même année qui glorifient un peu tout le travail qu'on a fait, tu vois. Donc, c'est aussi ça, c'est, tu vois, quand tu quittes une entreprise, il faut quitter au moment le plus haut, parce que sinon, tu vas possiblement te casser la gueule. Donc, moi, partir au moment où je sens que j'ai atteint vraiment le sommet de ce que je pouvais amener, c'est du coup partir la tête haute. Et à ce moment-là, j'ai repris la confiance, tu vois. C'est aussi ça, c'est que durant ces 18 mois où j'ai travaillé à ses côtés, j'ai pu voir ce que j'apportais, j'ai pu grandir, j'ai pu voir les résultats. Et donc là, je me suis refait une confiance et je me dis, OK, je vaux ça et je suis capable d'amener ça au niveau d'autres entrepreneurs. Sauf qu'à ce moment-là, je confonds l'entrepreneur, tu vois, qui est un marché, avec la cible qui est la mienne aujourd'hui et celle avec laquelle je fit parfaitement. Et donc, je commence à accompagner des business, mais des business de tous horizons. Il y a des business qui m'intéressent pas. Il y a des business pour lesquels je suis pas le meilleur des conseils. Et je suis confronté, voilà, à cette difficulté de me dire, mais c'est pas exactement ça. Tu vois, il manque un fine-tuning. Et là, j'ai vraiment réfléchi ensuite à mon positionnement et qui je pouvais le mieux accompagner, pour qui je serais ou en tout cas l'un des meilleurs choix, pour rester tout à fait humble. En tout cas, et ceux avec lesquels j'avais vraiment vocation à travailler. Et donc, j'ai vraiment creusé dans cette direction de mon client idéal, pour pouvoir comprendre avec qui je pouvais avoir ce parfait match. Faire en sorte qu'on puisse s'entendre sur les valeurs, sur l'objectif et sur les compétences qu'on pouvait aller rechercher l'un chez l'autre, quoi. Et du coup, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients quand tu as quitté la startup? Parce que quand tu as quitté la startup, je veux dire, tu n'avais pas cette peur de t'as plus d'argent, enfin. Si, en plus, si, si, à ce moment-là, j'ai un rapport à l'argent qui est juste terrible.
J'en garde parfois quelques vestiges, tu vois. C'est toujours un sujet. Mais j'ai un grand besoin de sécurité dans ma vie, en fait. Et du coup, le besoin de sécurité, pour moi, je le mets quand même pas mal sur l'argent. Et donc, à ce moment-là, ouais, c'est encore un nouveau défi parce que tu quittes une situation, tu savais que ça t'apportait un certain confort. Et puis là, tu décides de nouveau de remettre le curseur pratiquement à zéro. Je lance à ce moment-là ma première formation en ligne et je décide d'accompagner des startups. Et puis ensuite, je sens que le modèle digital m'appelle de plus en plus, mais pas pour des produits 100% autonomes, tu vois. Parce que j'ai compris que quand je lançais ma formation en ligne, ce qui me manquait, c'était l'impact direct que je pouvais avoir avec mes clients. Et je voulais être plus au contact de mes clients que ne me permettait une formation en ligne. Du coup, j'évolue plus vers un modèle hybride de formation et de coaching pour pouvoir être au contact direct et puis sentir que j'impacte. Et j'ai gardé cet axe-là, tu vois, de mélanger les deux et progressivement de ramener de ces entrepreneurs à la start-up, progressivement d'aller vers des professionnels de l'accompagnement parce qu'on met l'humain au centre, parce qu'on a le même centre d'intérêt, parce qu'on apprécie les mêmes choses, parce que enfin, tout ça, c'est un peu dire la même chose, mais j'ai senti, si tu veux, que à la fois les coachs, les thérapeutes avaient ce besoin, comme moi, d'impacter positivement des vies. C'est vraiment ça qui me donne envie de nous lever le matin. J'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de faire grandir les autres, j'ai envie d'améliorer la vie de mes clients. Et puis beaucoup ont une difficulté à se vendre, ont une difficulté à communiquer, sont tellement altruistes, tu vois, qu'ils en oublient de se vendre correctement. Ils seraient prêts à aider les autres gratuitement. Et à un moment donné, ben, ils finissent par s'épuiser et puis par tuer leur propre business, quoi. Donc, mon rôle, c'est de les aider à trouver leur juste équilibre entre contribuer, mais contribuer pour les autres et contribuer pour soi aussi, tu vois. Ouais, j'avais une question aussi, parce qu'il y a sûrement des gens peut-être qui sont dans la même situation que toi, qui travaillent, qui aimeraient aussi peut-être faire une reconversion vers quelque chose qui les anime beaucoup plus. Mais toi, comment tu as fait pour trouver des clients? Une fois que tu as quitté ta startup, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Parce que tu as dit que tu as accompagné des startups, etc. Mais comment tu as fait pour les trouver? Eh ben, écoute, à ce moment-là, ça, mon premier réflexe a été tunnel de vente. Tu vois, le modèle classique de développement en ligne, hein, tunnel de vente, publicité, donc acquisition de trafic payant. Et puis derrière, au début, j'envoyais directement vers un bon de commande puisque c'était ma formation en ligne. Après, j'ai compris que ce modèle-là, c'était pas exactement celui qui m'apportait la plus grande satisfaction. Donc après, j'ai plus cherché à développer grâce au webinaire. Webinaire, appel de vente. Et puis de plus en plus, j'ai évolué vers la vente relationnelle, vers des choses plus organiques, créer du lien avec ma cible, vraiment faire l'effort de les comprendre, d'être curieux de leur environnement, des problématiques qu'ils rencontrent, de savoir comment ils fonctionnaient, où est-ce qu'ils étaient challengés, et puis d'assurer un suivi avec eux pour être là au moment décisif, finalement, où ils auraient vraiment besoin d'être accompagnés. Et donc, aujourd'hui, c'est le mix entre acquisition de trafic payant et puis une présence organique. Ok, et du coup, durant toute cette période, qu'est-ce qu'elle dit ta femme? Qu'est-ce qu'elle dit, ma femme? Tiens, c'est une bonne question, ça. J'ai eu la chance d'être soutenu même dans les moments difficiles, tu vois, dans les moments de doute, dans les moments où c'est plus toi qui fais bouillir la marmite. Tu vois, pendant longtemps, ça a été moi qui apportais le confort financier à la maison. Et le jour où ça n'a plus été le cas, ben, j'en ai pris une bonne claque à l'orgueil et je pense qu'il fallait que je me la prenne. C'était bien, en fait. C'était une belle expérience à vivre. Et puis d'accepter que ça pouvait être l'inverse. Au moins pendant un temps et que les choses de cette manière s'équilibraient et qu'on pouvait trouver du coup du réconfort l'un dans l'autre de manière différente. Et puis surtout, tu vois, cette capacité à comprendre que j'évoluais et que ça pouvait prendre du temps.
pour vivre ma propre transformation, comprendre en fait ce que j'avais envie d'apporter au monde et faire la différence entre mon passé de salarié et puis ma vie d'entrepreneur, tu vois, où tu peux pas forcément du jour au lendemain être au top et avoir atteint donc ton objectif. Non, ça peut prendre du temps et c'est OK, tu vois, que ça mette 2, 3 ans pour que ton business atteigne son objectif et commence à te payer pleinement. Donc ça a été pas mal de discussions autour de ça, justement, autour de notre besoin, de nos besoins financiers, de notre sécurité, de notre confort, mais toujours avec la confiance en l'avenir et puis la confiance en moi, quoi, la confiance l'un dans l'autre, même, je te dirais. Ok, je vois. Donc du coup, alors une fois que tu as passé la start-up, tu t'es mis à ton business. Et jusqu'à aujourd'hui, tu travailles sur ton business qui a évolué en fonction, tu m'as dit, des avatars, ça. Ouais, après là, j'ai plus lâché. Quand j'ai senti que c'était vraiment là où moi, je ne m'épuisais pas, si tu veux. Et je l'avais déjà vécu, ça, quand je formais dans mon entreprise, là où j'étais salarié, du moins. J'étais capable de faire des semaines entières de formation et avec des journées de dingue, mais sans jamais m'épuiser, parce que je kiffais ça. Je kiffais vraiment ce que ça pouvait envoyer, ce que les gens me renvoyaient dans ce que je leur apportais. Et là, j'ai compris que il n'y avait pas de chose qui donnait plus de sens à ma vie que d'aider et de voir que ça pouvait avoir un impact significatif dans leur vie, quoi. Mais pas juste dans leur vie, sans que ça passe par leur environnement professionnel. Pour moi, j'ai toujours souhaité, tu vois, pas être ce que j'aurais pu être dans le coaching en développement personnel ou sur des thématiques de confiance en soi ou autre, mais ça n'a jamais été mon sujet. J'ai toujours voulu que ce soit sur le terrain professionnel. Tu vois, que leur bien-être passe par l'évolution de leur entreprise, passe par ce qu'ils arrivaient à faire dans leur business. Ça, je l'ai compris. Est-ce que tu peux expliquer du coup, alors, parce que les gens peuvent confondre coach, développement personnel, alors qu'est-ce que tu fais exactement avec tes clients? Ouais, parce que moi, je segmente vraiment, et pour moi, on ne peut pas être coach de tout. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance de dire que quand tu es coach, puisque c'est une posture, tu peux aider les gens à travers n'importe quelle problématique. Mais pour moi, tu ne peux pas être expert de tout. Et si tu veux vraiment apporter une grande transformation et de beaux résultats à tes clients, il faut être capable de reconnaître où est ta vraie force. Et je sais que moi, je ne suis pas le meilleur pour mes clients lorsqu'il s'agit de leur redonner confiance en eux, ou bien de, je sais pas quoi, je te dirais, les aider à prendre la parole en public, ou il y a autre chose chez moi qui va s'exprimer plus dans la compréhension de leur business, tu vois, des enjeux, de trouver la meilleure stratégie pour conquérir leur marché. Moi, je suis excellent en marketing et communication, tout ce qui génère de la vente, vraiment sur un sujet de business, mais si tu m'amènes sur un terrain de mindset, de confiance en soi, de gestion de tes émotions, c'est pas à moi qu'il faut faire appel. C'est pour ça que je m'entoure. Et quand je sens que mes clients ont une petite faiblesse de ce côté-là, je vais trouver la personne qui va pouvoir les aider et prendre le relais là où moi, je serai pas le meilleur interlocuteur. D'accord. Ouais, donc toi, C'est t'es là où plus. je fais la différence. Excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est là où pour moi, je fais la différence et où je sépare les deux approches. Ok, ouais, donc toi, tu es plus axé développement du chiffre d'affaires, en fait, en utilisant tous les leviers possibles. Ça, exactement. Ok. Et quelles sont les difficultés que rencontrent tes clients pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires d'une manière générale? Bah, si je devais les résumer ou les mettre, disons, en top 3, tu vois, il y aurait le positionnement, et là, ça commence par le ciblage, c'est-à-dire pas savoir à qui tu t'adresses vraiment. Et parce que beaucoup de clients disent, bah, moi, mes produits et services s'adressent à tout le monde. Bah, non, si tu cherches à vendre à tout le monde, en réalité, ça va être compliqué, tu vendras à personne. Et donc, bien comprendre que c'est hyper important de savoir à qui tu t'adresses et de faire l'effort de bien connaître ta cible, parce que c'est ça qui va t'aider à construire la bonne offre et avoir le bon angle de communication. Donc, il y a une question vraiment de connaissance client. L'autre difficulté, c'est d'avoir une offre, quoi, et pas forcément d'en établir 15 000. Parce que si t'as pas d'offre, t'as rien à proposer. Faire du sur-mesure, c'est toujours expérimenter quelque chose de nouveau et donc jamais savoir
là où ça fonctionne, parce qu'à chaque fois, tu réinventes. Et donc, le problème du sur-mesure, c'est ça. C'est que du coup, tu n'es pas en mesure d'identifier vraiment ce qui fonctionne pour tes clients et ce qui fonctionne moins bien. Donc, il faut standardiser à un certain niveau. Et puis voilà, avoir une gamme relativement étroite, si ce n'est même commencer par une seule offre, pour vraiment être en mesure de dire, mais c'est ça sur quoi je vais mettre le focus. Et du coup, c'est bien plus simple en termes de communication, en termes de proposition, en termes de process de vente, tout simplement. Et puis, donc, avec cette capacité à designer une offre, vient la capacité à en parler, tu vois, c'est communiquer clairement et sans forcément communiquer sur son offre d'ailleurs. C'est pas toujours mettre en avant ce que tu fais et pas parler de toi et de ton offre, mais être capable de créer du lien à travers entre ton public cible et toi en parlant plus d'eux que de toi finalement. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui avaient un travail aussi, qui ont un travail, et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois, dire commencer leur vie un peu, et puis peut-être même des enfants. Et quels conseils tu pourrais leur donner, parce que toi, tu es passé par là, pour pouvoir se lancer, quoi. Ouais, je crois que le plus important, c'est de bien se connaître. Déjà, s'il y a vraiment une clé de succès, c'est vraiment celle-là, c'est savoir qui tu es, ce qui te fait vibrer, ce dans quoi tu es excellent. Et puis, une fois que tu as bien déterminé ça et que pour toi, ça vibre fort, bah, c'est de tester ton projet professionnel. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, on a une chance énorme en France, c'est d'avoir l'existence de la micro-entreprise. Donc, tu peux créer ta boîte en deux clics sur Internet. Il faut, je sais pas, j'ai fait ça il y a 10 ans maintenant, mais je sais que voilà, quand on a créé l'entreprise de ma femme, avant qu'elle soit en entreprise, c'était une micro-entreprise. Et ça doit te prendre une demi-heure, tu vois. Et ça veut dire que tu peux tester ça en parallèle d'un job salarié. Ça veut dire que tu peux vérifier vraiment que c'est quelque chose qui te plaît, que tu es bon là-dedans, que tu as du résultat. Avant de lâcher un job qui te sécurise. Parce qu'il faut être clair sur le fait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça suppose d'être capable d'aller chercher le client. Il faut être bon à tous les postes, tu vois. Il faut être l'excellent commercial, il faut être le bon gestionnaire, il faut être le bon communicant, le bon stratège, le bon marketeur, le bon comptable. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Alors même si tu peux te laisser du temps pour acquérir ces différentes casquettes, mais en tout cas, il faut l'intégrer rapidement sur le fait que tu peux pas juste être le super technicien que tu étais dans la boîte. Et, enfin, si tu étais salarié, je veux dire, hein, parce que la plupart des gens font ça. Ils étaient, je veux dire, n'importe quoi. Ils étaient graphistes dans leur boîte. Et donc, quand ils se lancent, ils se mettent graphistes. Sauf qu'ils sont plus juste graphistes, ils sont entrepreneurs graphistes. Et avant, on leur amenait les clients. On gérait le SAV pour eux, on gérait la compta, on gérait tout le reste. Là, il faut qu'ils aillent chercher leur client, il faut qu'ils satisfassent le client, qu'ils le livrent, qu'ils continuent entre-temps à communiquer, qu'ils fassent la compta. En fait, c'est bien comprendre tous les enjeux de l'entrepreneur. Et comment Et tu donc, fais? Ah, excuse-moi, vas-y. non, non, c'est moi, excuse-moi. J'ai toujours un petit mot qui me revient après, tu vois, comme tu l'as remarqué. Okay. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, dis ce que tu veux dire. Donc, je le disais, ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est important cette phase de test, de vérifier que c'est bien ce qui te plaît et ce qui va te permettre de t'éclater. Et comment on fait pour savoir, du moins toi, comment tu as fait pour savoir le. Parce que tu as dit, faut que la personne elle apprenne à se connaître. Comment t'as fait pour te connaître, toi? Bah, tu vois, moi, je me suis cassé la gueule. plusieurs fois et c'est ça qui m'a aidé en fait c'est quand je me suis retrouvé le nez au-dessus du caca quoi hein. Vraiment je me suis posé les bonnes questions pour moi-même j'ai quand même suivi pas mal de formations ou de séminaires en développement personnel aussi parce qu'à un moment donné tu vois pas les erreurs pour toi tu vois pas les problèmes pour toi-même parce qu'il faut un regard extérieur donc être capable de se faire aider, de se faire accompagner. Je pense que c'est essentiel. Il y a des outils qui t'aident et tu peux le travailler en parallèle, tu vois. Méthode Ikigai, Kintsugi sont des outils qui t'aident un peu à mener cette introspection pour toi. Ça t'apporte des réponses.
Mais rien ne vaut le regard de quelqu'un de l'extérieur qui porte sur toi et qui t'aide à aller faire un vrai travail à l'intérieur pour faire ressortir des éléments essentiels dont tu as besoin pour grandir. Voilà. En gros, il faut qu'on ait un coach, quoi. Enfin, le mieux, ce sera un coach, quoi. Je crois qu'il y a un moment donné, ça s'impose à toi, quoi. Ok. Et du coup, une fois que tu es lancé, parce que là, tu as dit que tu as vu toutes les casquettes qu'il faut avoir lorsque tu es entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce que c'est mieux de rester dans son entreprise et faire la même chose? Quand tu réussis, ça vaut évidemment le coup, tu vois, parce que tu gères ton temps, tu prends les décisions pour toi, tu fais que ce qui t'inspire. Quand il y a un truc qui t'agace, bah, tu prends quelqu'un pour le faire à ta place. Je veux dire, quand tu es au bon stade de développement et que tu peux commencer à structurer ton entreprise, à avoir des gens qui justement sont eux dans leur zone de génie et qui vont te prendre. La charge de travail que toi tu voulais plus supporter, là oui c'est génial parce que et puis après tu vois c'est depuis tout gamin moi j'avais un rêve de pouvoir vivre travailler à l'étranger et pouvoir bouger comme ça et j'avais pas trouvé l'entreprise qui était capable de m'y emmener et à partir du moment où j'ai décidé d'entreprendre je me suis dit mais attends là mon gars tu vas pouvoir réfléchir au modèle économique, au business model qui va te permettre d'avancer vers tes rêves, de réaliser ton objectif, quoi, ton projet de vie. Et quoi d'autre qu'une entreprise que je gère, que je définis, que je structure à mon image pourrait me permettre de faire ça? Compliqué, tu vois. Donc oui, ça vaut la peine. Ça vaut même la peine d'en chier un peu, excuse-moi encore. D'habitude, je ne suis pas aussi vulgaire, mais franchement, ça peut être ça. Il y a des moments difficiles dans la vie d'un entrepreneur. Il faut être prêt à ça. Il faut avoir vraiment le tempérament et les nerfs, les reins assez solides. Sans doute un peu de trésor aussi, parce que ça te permet d'aborder plus sereinement les phases difficiles. Mais si tu tiens bon, si tu tiens le cap, si tu t'accroches à tes rêves, un jour, tu peux t'en rapprocher et tu peux les réaliser. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Je pense que depuis tout gamin, on nourrit des rêves. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça doit rester un fantasme. Mais au contraire, si on peut les réaliser, c'est magique. Et selon toi, pourquoi tu as réussi? Parce qu'il y a des gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Pourquoi toi, tu as réussi à entreprendre et à réussir? Parce que j'ai jamais lâché. Je crois que le truc, c'est que même dans l'échec, faut être résilient. Tu vois, l'échec pour moi, il a pris une signification différente à partir du moment où j'ai jamais décidé d'abandonner. Tu vois, je pense que la seule vraie définition de l'échec, c'est quand tu abandonnes, quand tu te donnes pas l'occasion de réussir autrement. Et moi, chaque fois que je me suis planté, je me suis dit, c'était pas la bonne manière de réussir. Et donc, j'ai changé la manière. Et je n'ai pas décidé d'arrêter. Et donc, c'est ça, c'est que ça te forge, ça te renforce vraiment, et ça te donne la capacité de rebondir, de comprendre finalement ce qui n'a pas fonctionné, et d'aller chercher d'autres ressources pour fonctionner. Et puis, d'être capable de reconnaître aussi que ben, y a parfois des moments où tu vas devoir demander de l'aide à l'extérieur. Et que quand tu es confronté à une difficulté, ben, faut pas toujours chercher à rester avec ça sur les épaules pendant 6 mois ou 1 an parce que ça te ralentit en fait. Donc quand tu butes sur quelque chose, ok, tu as le droit de persévérer un peu, mais quand tu trouves pas vraiment ce qui te permet d'aller à l'étape suivante, ben, dis-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui sera capable de t'aider et il faut juste identifier la bonne personne à ce moment-là. Et pourquoi tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu as toujours persévéré? Pourquoi tu n'es pas retourné vers un job où je pense que tu aurais été bien payé par rapport à toute l'expérience que tu as? Ben parce que j'ai un pourquoi fort, parce que quand j'ai décidé de renouer avec le style de vie qui m'avait côtoyé pendant ces quelques semaines où ma femme était à l'hôpital et où je vivais plus en communion avec mes enfants, j'ai compris que c'était ça que je n'abandonnerais pas, quoi. Et donc que seule mon entreprise pouvait me l'apporter. Et donc quand je me lève le matin,
Je sais que c'est à la fois, bien sûr, pour aider mes clients, mais aussi pour aider et entretenir le style de vie que j'ai aujourd'hui. Et donc même quand c'est difficile, je me rappelle que mes choix, ils sont dictés par ça, pour pouvoir être plus présent dans ma vie de famille, et puis réaliser mes rêves, et que pour ça, rien ne mérite que je lâche, quoi, rien. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es entrepreneur, que tu es à ton compte, par rapport à quand tu étais salarié? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé? Et je me sens quand même plus seul parce que même si j'ai la chance d'avoir des clients extraordinaires avec lesquels j'ai une relation qui est juste extra, quoi. Mes clients deviennent des amis, quoi. Tu vois, on a un tel relationnel que je peux vraiment les mettre à ce même niveau. Mais tu vois, le petit regret, c'est ce que tu peux partager avec tes collaborateurs autour de la machine à café le matin, tu vois, le fait que tu es des collègues, tu peux aller déjeuner avec l'un, avec l'autre, tu es une structure, les webinaires, je veux dire, tu vois, des formations professionnelles, les séminaires auxquels je participais, qui étaient des grands moments conviviaux, alors que je reproduis aussi sous un format un peu plus humain avec les immersions que j'organise avec mes clients. Mais c'est plus ça, c'est le fait de sentir que tu appartiens à quelque chose de grand et que voilà, t'as la possibilité d'interagir avec des services différents et d'être challengé aussi par ce que te demande, en fait, par ce qu'exige de toi l'entreprise. Donc, ça, c'est le côté qui peut manquer. Après, dans ce qui est différent, bah, tu vois, j'ai une dépendance au fond du jardin et j'ai juste à traverser le jardin pour aller bosser le matin. Ce qui a changé, c'est le fait de pouvoir m'arrêter quand je veux, de partir quand je veux, de travailler d'où je veux. Et ça change énormément, c'est clair. Choisir les gens avec lesquels tu as envie de travailler, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de supporter le collègue avec lequel tu t'entends pas ou qu'à mauvaise haleine. Mais au contraire, tu choisis des clients qui te ressemblent et avec lesquels tu as vraiment la possibilité de partager beaucoup de choses, quoi. Donc ouais, pour ça, c'est incomparable. Et est-ce que tu as des anciens collègues qui ont vu un petit peu ton évolution ou avec qui tu discutes, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, j'en ai beaucoup, mes collaborateurs qui sont restés en lien avec moi et on s'écrit régulièrement. Certains qui ont évolué aussi, il y en a beaucoup qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat après moi. Donc du coup, ben, on se partage un peu d'infos là-dessus et puis de conseils sur nos développements respectifs. Mais la très grande majorité est restée salariée, donc on partage des délires différents, tu vois. C'est après, tu sens que t'évolues autrement. Et c'est OK, tu vois, moi je suis très content qu'il y en a encore beaucoup qui trouvent satisfaction dans leur job et content aussi pour ceux qui décident de prendre leur envol. C'est pour moi, le tout, c'est d'être vraiment, je te dirais, en phase avec soi, avec ce qu'on a envie de vivre. Ok, super. Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça. Hein, ça pourra. Est-ce que c'est bien d'avoir des échanges? Parce qu'il y a des personnes qui peut-être qui sont dans la même situation. Surtout en général, les gens qui me suivent, ils ont entre 25 et 35 la plupart. Ils ont déjà leur travail et ils ont sûrement envie de changer. Et puis voilà, c'est bien d'avoir un retour réel de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça peut coûter, mais aussi les avantages, quoi. Est-ce que tu as un truc à rajouter en plus avant que je conclue la vidéo? Bah écoute, déjà merci pour ce temps d'échange et de parole. C'est toujours intéressant de refaire, tu vois, son parcours en sens inverse et d'arriver à prendre un petit peu de recul. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. C'est pour revenir sur cette histoire de connaissance de soi et de finir encore là-dessus parce que je pense que tu as la réponse en toi de savoir si tu es à la bonne place si tu n'as jamais le sentiment de travailler, quoi. Si t'as pas le syndrome du lundi matin, si le dimanche soir, tu es content de ton week-end et que tu es content de la semaine qui arrive, ça pour moi, c'est un puissant indicateur, quoi. J'ai jamais la déprime le dimanche soir en me disant, on attaque une nouvelle semaine de boulot, c'est pas possible, quoi. Et je l'ai rarement eu parce que j'ai toujours choisi d'aller vers ce qui m'inspirait. Et donc, que ceux qui regardent cette vidéo vraiment fassent un petit peu un pas en arrière.
pour se dire, est-ce que j'ai vraiment ça? Est-ce que le dimanche soir, je suis content à l'idée du lundi matin qui va arriver après cette nuit de sommeil? Ou bien j'ai tendance à soupirer et si je soupire, il faut que je fasse quelque chose. Et soyez vraiment en accord avec vous-même. Quittez votre job si vous sentez qu'à un moment donné, c'est plus ce qui vous donne la motivation de vous lever le matin, quoi. Parce que la vie est courte, il faut en profiter et autant faire ce qu'on aime et vivre pleinement de ce qu'on aime aussi, quoi. Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour le partage et apprécie aussi l'échange. C'est à toi. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que tu es frustré. Et donc, du coup, tu penses qu'en mettant un j'aime pas, ça va changer ta vie, mais ça ne va rien changer. Il y en a marre des chauves. Ouais, voilà. Voilà, fais ce que tu veux, mais ça ne changera rien du tout, ça c'est sûr et certain. Donc, je mettrai de toute façon tous les liens, tout ce qui concerne Anthony, si jamais vous voulez qu'il vous accompagne sur tout ce qui est stratégie, parce que je pense que vous avez vu avec son histoire toute l'expérience qu'il a pour te faire gagner plus d'argent, hein, en parlant concrètement. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp.